eu un rétablissement total dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez ses mains ouintes. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom parce que nous sentons déjà ta présence. Nous savons que tu béniras ton peuple ce soir. Je prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'exception pour les jeunes, les personnes âgées, les hommes et les femmes, les dirigeants et les membres, les invités et ceux qui venaient auparavant. Fais quelque chose de nouveau dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, ôte les problèmes, tout ce que nous avons appris que tu feras, fais cela dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Brise l'épine dorsale de leur ennemi. Détruis les œuvres du diable. Ôte toute maladie incurable. Mets le pied sur le champ de victoire ce soir au nom de Jésus-Christ. Mets la joie dans toute vie, le sourire dans toute bouche. Que ce soit une soirée de rétablissement total à tous. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Je suis béni. Il faut le dire pour vous-même, je suis béni. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Et je lis verset 1 Samuel 30. Verset 6. David était dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. Ce soir, poursuivez. Vous allez les atteindre. Vous allez tout récupérer. Car tu atteindras et tu délivreras. Et tu délivreras. Je crois que vous allez dire amen. Vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Récupérer ce qu'on a perdu apporte la joie, apporte un dynamisme en vous. Cela apporte une nouvelle détermination en vous. Si j'ai ceci, j'aurai plus. Cela amène un sens d'accomplissement et une force intérieure. Cela amène le courage de recommencer la vie. Voyez, vous comprenez que la vie abondante va commencer à nouveau. Je vous ai lu de David et ses hommes. Ils ont tout perdu, tout ce qui leur était précieux. Cela a apporté la tristesse, la détresse. Le vide, le découragement était arrivé et ils se sont désorientés. Il y a un remous intérieur, il y a un épuisement total. Mais souhaiter avoir tout ne résout pas le problème. David est allé au Seigneur en prière et il a dit, Seigneur, regarde ma situation. Regarde les circonstances qui m'entourent. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dois-je les poursuivre? Et si je les poursuis? Dois-je les atteindre? Si je les atteins, dois-je tout récupérer du moindre jusqu'au plus grand? Et le Seigneur lui a répondu,
Le Seigneur va vous répondre cette nuit. Et le Seigneur lui a dit, poursuis. Un. Et puis il a dit, que tu les atteindras. Deux. Et puis trois, il lui a dit que tu délivreras. Alors il faut bien comprendre. Il ne s'est pas croisé les bras. Que l'impensable est arrivé. Le terrible est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous sommes sans aide. Nous sommes sans espoir. Alors, on a tout ôté de nous. Non. Il a dit que j'ai un Dieu au ciel. Le Dieu du ciel, je vais lui parler au ciel. Quel que soit ce qui vous arrive aujourd'hui, quelle que soit la chose qui vous est arrivée avant ce soir, nous avons un Dieu au ciel. Nous allons parler à ce Dieu en votre faveur. Et la chose là que vous avez perdue reviendra. Votre bénédiction doit revenir. La totalité de tout ce qui est perdu de votre vie va revenir abondamment à votre vie au nom de Jésus-Christ. Aucune partie de votre vie, aucune partie de votre famille, aucune partie de votre possession ne sera dans la main de l'ennemi. Et ce soir, c'est pour vous, c'est votre soirée. Alors, faut pas baisser la tête, je veux voir votre visage. Ce soir, c'est pour vous. Ouais, une soirée de récupération, de rétablissement total. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Une soirée de la guérison totale, de rétablissement total, de restauration totale. Vous avez tant pleuré. Et il y a le temps de rejet, de désespoir. Pourquoi suis-je dans la vie? Cela est passé. La chose va changer pour vous. La joie est venue pour vous. Le sourire est venu pour vous. L'abondance est venue pour vous. David a prié. David a poursuivi. David a vaincu. Et David a tout délivré. Il a tout récupéré. Je parle ce soir. Vous êtes ce David-là ce soir. Et quand vous prierez, comme je prie, quand vous priez, et il y aura une explosion dans votre vie. La dynamique du ciel. La dynamite du ciel. Le bulldozer du ciel. Oui. Le grand bulldozer qui va ôter la montagne de votre vie viendra. Cette montagne, la chose là sera ôtée de votre vie. Parce que comme nous allons prier, vous allez vaincre cette nuit, ce soir. Et tout ce qui a été perdu, ce que vous avez perdu dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos espérances chrétiennes, vous allez tout récupérer. Je lis de Deux Rois. Chapitre 5, 2 Rois 5, je lis verset 1, 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Toutes les victoires sont rien. Toutes les triomphes étaient devenus un vide. Ouais, l'homme là, il a la richesse, il a la popularité, il a la position nationale, il a ceci et cela, mais il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, mon maître, était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, je souhaite que mon maître visite le prophète à Samarie. Oh, je souhaite que vous visitiez le prophète à Bagada. Je dis,
Mon souhait, c'est que vous visitiez le prophète Agbagada. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui? Ah, où êtes-vous? Vous avez aujourd'hui un rétablissement total. Verset 3. Le prophète le guérirait de sa lèpre. La maladie incurable va disparaître. Cette montagne de problèmes, une montagne d'infirmité, va disparaître ce soir au nom de Jésus-Christ. La lèpre va disparaître. Le cancer disparaîtra. La cécité disparaîtra. La bourse disparaîtra cette nuit. Et tous les problèmes que vous portez, et c'est un opprobre sur votre vie, cette soirée, tout disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, c'est au roi, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Est-ce qu'il a été envoyé au roi ou au prophète? Que je vous entende. Et puis, il était envoyé au prophète. Et puis, au lieu d'aller au prophète, il est allé au roi. Il a fait une grande erreur. Mais l'erreur là était abolie, supprimée. Quelle que soit l'erreur que vous avez commise, au lieu d'aller à gauche, vous êtes allé à droite. Vous allez revenir au lieu normal au nom de Jésus-Christ. Il y aura un rétablissement pour vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » La chose a presque se déclenché en guerre, mais il n'y a pas de guerre. Vous avez quitté votre demeure et vous êtes arrivé à Samarie. Dieu merci, le problème est réglé. Je dis, Dieu merci, vous avez quitté chez vous, vous êtes arrivé ici cette nuit. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là? Votre problème est réglé. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura. Quelqu'un là ce soir saura. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et avec ses principales personnalités et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant,
Voici, je me disais, parce que tu te dis, parce que vous croyez, je crois que quand moindra d'huile, je crois qu'on n'imposera la main à ma tête, pas de problème. Vous voyez, quelqu'un s'est énervé là-bas, pas de problème. Après la colère, le miracle viendra. Il avait une mauvaise pensée. Que je me disais, voici ce qu'on fera pour moi. Il va retourner à la maison. Non, tu ne vas pas retourner à la maison sans la guérison pour toi. Tu dois l'avoir cette nuit. Et voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa. Ouais, après tous ces arguments, le miracle viendra. Ne faites aucun cas de ces mauvais raisonnements. Après le faux raisonnement, le miracle viendra. Quelles que soient les pensées en vous, ceci, cela, laissez cela de côté. Après tout cela, votre miracle viendra. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Cela n'a pas supprimé la solution. La solution vient. Je dis la solution vient. Je vous regarde cette nuit, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez debout ou assis, que vous mettez votre tête par terre, ou bien quel que soit le cas, cette nuit, vous n'allez pas quitter ici sans miracle. Cette nuit, c'est votre nuit de guérison, de rétablissement. Tous ces problèmes seront effacés de votre vie. Quel que soit ce qui se passe, ce qui ne s'est pas passé, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, avant de sortir d'ici aujourd'hui, il y aura le miracle sur votre vie. Le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Ceci va se produit dans votre vie. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Est-ce que vous êtes là? Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et il fut pur. Et vous êtes pur. Et vous êtes guéri. Naaman était un lépreux incurable. Maladie, il était malade, honni, méprisé, déprimé, irrité. Il a besoin d'une guérison totale. Il ne devait pas rester avec les idoles inactives. Il a reçu l'information. Il a pris le retour. Il a fait le voyage. Oui. Il a fait recours au remède divin. Il a corrigé ses mauvais actes. Et puis, il a reçu la guérison totale. Il faut dire à celui qui est à côté de vous, c'est mon histoire. Ce soir, je l'ai. Je l'aurai cette nuit. Le remède. Le rétablissement. La guérison totale, la délivrance totale, tout cela viendra sur vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle de la dynamique spirituelle, de la guérison totale. Il y a une dynamique, il y a un mouvement, un dynamisme, un mouvement. Ceci est arrivé, ceci t'arrive, il y aura ce soir une dynamite qui va exploser. Numéro 1, la promesse de guérison totale de toutes les maladies.
la promesse de guérison totale de toutes les maladies. Numéro 2, c'est la poursuite de restauration totale de la force perdue. La poursuite de restauration totale de la force perdue. L'énergie que vous aurez perdue, Dieu merci, vous allez la récupérer cette nuit. La faiblesse est entrée, l'impotence est rentrée, la faiblesse est entrée, l'épuisement est entré, la timidité est entrée, vous n'avez plus intérêt de vivre. Mais quelque chose de nouveau va arriver cette nuit. La vie va entrer en vous cette nuit. La puissance va entrer en vous cette nuit. Il y a la poursuite de restauration totale de la force perdue. 3. La prière. Que quelqu'un m'aide à crier prière. Êtes-vous là? Je dis crier le mot prière. La prière de guérison totale par tout postulant. Tout postulant. Il y a quelqu'un qui fait une supplication. Quelqu'un qui fait une pétition. Quelqu'un qui dit, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui, à moins que ce miracle se produise dans ma vie. Est-ce que vous m'entendez? Je ne quitterai pas aujourd'hui, à moins que ce miracle, ce rétablissement, cette maladie se reproduise dans ma vie. Ce ne sera pas un moment, cela va se produire en vous. La prière de la de guérison totale par tous postulants. Numéro 1, la promesse. Dieu vous a donné une promesse. Dieu vous a donné une promesse. La promesse de guérison totale de toutes les maladies. Voyons ces maladies. Cette nuit, vous ne les verrez plus après cette séance. Exode. Exode 20. Exode. Chapitre 20. 26. Quelqu'un là écoute la voix de Dieu. Quelqu'un écoute la voix de Dieu. Exode. Chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Toutes les maladies que vous avez appris venir frapper les gens de ce monde ne viendra pas sur vous. Il y a une maladie d'Égypte qui est sur la vie de quelqu'un. Si cela est des Égyptiens, vous n'êtes pas un Égyptien, vous êtes un Israël de Dieu. Un Israélite venant de Dieu. Vous allez dire, plie tes bagages et quitte. Vous n'allez pas dire ça, vous avez seulement dit Amen. Plie tes bagages et quitte. Et Dieu a dit à la dernière partie, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et je suis. Et le grand, je suis là qui n'a pas changé. Il dit, c'est moi qui te guéris. Cela veut dire que cette nuit, cela va se produire. Cette nuit, cela va vous arriver. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Psaume chapitre 103. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Les d'autres louaient le Seigneur. Voici votre tour de louer le Seigneur. D'autres chantaient. C'est votre tour de chanter. D'autres donnaient des témoignages. Voici votre tour de donner votre témoignage. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne combien d'iniquités. C'est lui qui pardonne combien de tes iniquités. Toutes tes iniquités. Où est la personne à qui le Seigneur parle? C'est vous. Où est toutes ces condamnations, tout disparaîtra cette nuit. Voilà la dernière partie. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui guérit. Oh, non, la dernière partie. Qui guérit toutes tes maladies.
qui guérit toute mes maladies. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ah, vous êtes affranchi. Vous êtes libéré. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie qui rassasie qui? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Le mal va passer par-dessus vous. Les jours vont passer par-dessus vous. Les malédictions vont vous dépasser. La calamité va passer par-dessus vous. Toutes ces puissances, comme elles vous visitent, elles fuiront cette nuit. Qui te fait rajeunir comme l'aigle? Vous serez rajeuni comme l'aigle. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Y a-t-il de réponse cette nuit? Y a-t-il de miracles cette nuit? Y a-t-il de guérison cette nuit? Y a-t-il de provision venant du ciel cette nuit? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté. Et vous dites que je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai ceci, j'ai cela. Pasteur, j'ai donné le témoignage dans mon auditrice. Est-ce qu'on t'a dit, j'ai donné un tel témoignage en ce temps-là. Gloire à Dieu. Ce témoignage-là, c'est un petit témoignage. Il y a quelque chose qui viendra au-dessus de cela. Alors, il va vous montrer, annoncer des choses que vous ne connaissez pas. Verset 8. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison. À ma droite, je la guérirai. Devant moi, je la guérirai. À ma gauche, je la guérirai. Je la guérirai. Je lui donnerai la guérison. Ceux qui sont en haut, je lui donnerai la guérison. Vous êtes guéri cette nuit. Vous êtes délivré cette nuit. Voici. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Et je la guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Tout bruit, toute agitation dans votre vie sera ôté. Toute confusion en vous sera dissipée. Ce soir, vous serez guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que c'est le présent ou c'est le passé? Est-ce pour hier ou aujourd'hui? Est-ce pour le matin ou pour ce moment-ci? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur pur, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, lisez cela, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Lisez cela personnellement. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le jour de rétablissement aujourd'hui, le jour d'exaucement de prière aujourd'hui, le jour de miracle aujourd'hui,
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie où? En moi. Cette nuit, c'est pour vous. Deuxième point maintenant, c'est la poursuite. Quelqu'un là-bas cette nuit va poursuivre. Vous allez attraper ce que vous cherchez. Vous aurez ce que vous attendez. La poursuite de restauration totale de la force perdue. La force perdue. Si vous êtes fatigué maintenant, lorsque vous serez rétabli, vous serez fort. Si vous êtes faible maintenant, lorsque vous serez rétabli ce soir, oui, cette dynamite du ciel viendra en vous. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Vous le saurez. Ne l'as-tu pas appris? Vous l'apprendrez. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne. Les portes du ciel vous sont ouvertes. Les fenêtres, les écluses des cieux vous sont ouvertes. Il vous donne quelque chose maintenant. Quelque chose vient sur votre vie maintenant. La puissance entre dans votre vie maintenant. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a le renouvellement. Je dis, il y aura le renouvellement. Vous êtes renouvelés cette nuit. Toutes les cellules mortes dans votre corps reprendront vie. Les cellules sont mortes dans les yeux. C'est pourquoi vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas bien voir. Ces cellules reprendront vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et si je m'assis, je ne peux pas me tenir debout. Si je me tiens debout, je ne peux pas m'asseoir. Il y a la douleur au dos. Il y a la douleur à la gorge. Il y a la douleur dans la tête. Il y a quelque chose qui circule ici, par-ci, par-là. La chose là est balayée. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je me réjouis avec vous cette nuit. Votre force est renouvelée. Ils prennent le vol comme les aigles. Aucune montagne n'empêchera votre progrès. Vous êtes resté assez longtemps dans la vallée. Vous êtes cloué là-bas, vous pleurez là-bas et vous faites un contour. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a rien à faire cette nuit pour régler l'affaire. Ils prendront le vol. Moi, je prendrai le vol. Moi, je prendrai le vol. Vous allez prendre le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Vous allez l'éprouver cette nuit. Vous allez le tester, l'essayer après la réunion. Parce qu'auparavant, si vous marchez un peu, si vous faites un peu quelque part, vous allez chercher à saisir quelque chose et s'asseoir. Alors vous allez vous lever encore, faire quelque part. Et puis, vous allez chercher quelque chose à saisir. C'est comme vous allez tomber. C'est-à-dire, prends-moi, je vais tomber. C'est vous qui allez prendre des gens cette nuit, saisir les gens cette nuit. Cette nuit, vous allez courir. Je dis, cette nuit, vous allez courir. Toutes ces choses de faiblesse en vous sont effacées, balayées cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Il marche et ne se fatigue point. Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Qui dit: fortifiez les mains faibles et fortifiez les pieds. Fortifiez les pieds faibles. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Votre libérateur vous dit cette nuit. Les anges de Dieu vous disent de prendre courage. Le ciel vous déclare cette nuit de reprendre courage, d'être fort. Vous serez fort. La faiblesse va quitter votre vie. Les douleurs vont disparaître de votre vie. L'impossibilité va disparaître de votre vie. Soyez fort et ne craignez pas. Votre Dieu viendra. Vous n'avez pas entendu cela? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Verset 4. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra vous délivrer. Il viendra vous affranchir. Il viendra briser votre joug. Il viendra vous convertir votre âme. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Cette nuit, si vos yeux sont ternes, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous avez une vision floue? Moi, je n'ai pas vu le fossé et puis je suis tombé dedans. Cette vision floue va disparaître cette nuit. Vous allez bien voir. Vos yeux seront très clairs. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion dans votre maison. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Cela se passe cette nuit. Ésaïe 41, 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Sauveur te dit qu'il est avec toi. Je suis avec toi. Le Libérateur dit je suis avec toi. Le médecin, le docteur dit je suis avec toi. Le pourvoyeur dit je suis avec toi. Le miracle est venu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus
ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, frémisseur de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointes, tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Tous vos problèmes seront emportés par le vent. Toutes vos montagnes seront emportées par le vent. Oui. Tous vos ennemis seront emportés par le vent. Le chômage sera emporté par le vent. La pauvreté sera emportée par le vent. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Quelqu'un là cette nuit, tu te réjouiras en l'Éternel. Ma fille là-bas, cette nuit, tu te réjouiras en l'Éternel. Mon fils là-bas, cette nuit, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Où est votre Amen? Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car, à partir de cette nuit, écrivez la date à partir de cette nuit, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, tu t'étends par terre et les cancrelats marchent sur toi, les insectes marchent sur toi, les problèmes de la forêt, les problèmes circulent sur toi parce que tu es étendu à terre. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sien Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Aujourd'hui, vous allez vous lever. Votre force vous revient cette nuit. La puissance du Seigneur viendra sur vous cette nuit. Ésaïe 54, verset 2. Et élargis l'espace de ta tente. Il y aura la croissance dans votre vie. Il y aura l'élargissement dans votre vie. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Vous êtes là, ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Le verset 17 là-bas. Verset 17.
Il y a quelque chose là pour vous. Cela est écrit à cause de vous. Ceci est écrit à cause de moi. Ceci est écrit à cause de moi. Toute âme forgée contre toi sans effet. Dans votre quartier, dans votre concession, au village, sur la route, au marché, la chaise où vous êtes assis, la nourriture que vous prenez, l'eau que vous buvez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, dans le taxi, dans le bus, sur la route, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dans le rêve, le jour, partout, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donnez-moi un bon amen. Psaume 20, verset 1, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te vienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous laverons l'étendard au nom de notre Dieu. Regardez ceci là. Regardez ceci. Lisez-le vous-même. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Est-ce que vous croyez cela? Répétez cela. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Regardez la personne à côté de vous. Dites-lui ça. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Il faut doigter la personne, disant que cela va leur arriver. Alors il faut doigter vous-même que l'Éternel exaucera tous mes vœux. Cette nuit. Je dis cette nuit. Votre nuit de restauration. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Cette bonne chose que tu as perdue vous sera redonnée. Le rétablissement, la restauration, la récupération. Je suis possesseur cette nuit. Je suis un réalisateur cette nuit. Je suis un vainqueur cette nuit. Je suis en bonne santé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis béni. Troisième point maintenant, la prière. Troisième point, la prière. La prière pour la guérison totale par tous postulants. La prière pour la guérison totale par tous postulants. Combien de personnes seront exaucées cette nuit? Tout le monde. Cela vous arrivera. Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, apprêtez-vous, je t'apprête pour vous, tout ce qui est sorti cette nuit, ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Psaume 61, verset 2, psaume 61.
2 et 3. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus riche, quelque chose de plus loin, en haut, quelque chose d'en haut, quelque chose d'en haut. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 22. Marc 9, verset 22. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Lui répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et si tu peux quelque chose, l'homme là est des vieux jours. Il ne sait pas que Jésus peut faire quelque chose. Maintenant, je sais. Je sais tout. Je sais que dans votre vie, cette nuit, Jésus fera tout pour vous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi vous êtes venu cette nuit. Vous êtes venu cette nuit pour croire. Je suis venu croire. Je suis venu croire. Je suis venu croire. Et comme vous croyez, tout vous sera possible au nom de Jésus-Christ. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis certainement, assurément, véritablement, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un qui est ce quelqu'un-là, est-ce que vous l'avez rencontré auparavant? Si quelqu'un, est-ce que vous l'avez vu auparavant? Est-ce que quelqu'un l'a cette nuit? Est-ce que vous en êtes sûr? Cette nuit, les problèmes sont partis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Où est votre montagne cette nuit? Dans la mer. Je dis, où est votre problème cette nuit? Où est la maladie cette nuit? Où est le chômage cette nuit? Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra, je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Et vous le verrez s'accomplir. Cette nuit, Dieu exaucera tout le monde. Il y aura une guérison totale pour tout le monde. Dieu exauce toujours les prières. Quel type de prière? Une prière fervente. Celui qui se lève cette nuit dit, Dieu, tu m'as donné la promesse. Et tu parles que le diable la prenne cette nuit, que tu as la victoire. Que l'ennemi l'écoute cette nuit, que vous avez la victoire. La victoire, vous aurez la prière fervente qui sera exaucée.
la pierre ancrée sur la foi. Tu dis, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, que cette nuit, c'est la nuit de mon rétablissement. La prière ancrée sur la foi, la prière prédominante. Cette prière, ce n'est pas « viens à la prochaine ». Cette nuit, c'est pour moi. Cette nuit, vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. La prière d'importunité, celui-là qui frappe, qui continue de frapper, et le ciel dit « qui est-ce ?» Et tu dis « c'est moi, enfant de Dieu ». Je demande ceci, et tu m'as dit que toutes mes requêtes seront exaucées, et j'ai une longue liste dans mon cœur. C'est pourquoi je frappe et vous continuez de frapper. La prière d'importunité. Dieu merci, il vous exaucera cette nuit. La prière indéniable. Je ne serai pas renié. Jusqu'à ce qu'il vienne me guérir, je ne serai pas renié. Que j'aille, car l'Europe arrive. Je ne peux pas aller, je ne te laisserai pas aller à moi ce que tu m'as béni. La prière indéniable. La prière qui perce le ciel. La porte là au ciel doit s'ouvrir. Je dis cette porte au ciel là doit s'ouvrir. Parce que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La prière qui perce le ciel. La force, la prière qui restaure la force. Quand vous allez prier cette nuit, la faiblesse va fuir, va s'évaporer. Au moment où nous dirons le dernier amen, vous allez dire, oh, je me vois très fort. Je peux marcher. Je peux bondir. Je peux courir. J'ai le témoignage. Ce sera dans votre bouche. La prière qui restaure la force. La prière qui transforme la vie. Votre vie est par-ci, par-là. Mais cette nuit, la prière qui va vous transformer cette nuit. La prière qui déplace les montagnes. Cette montagne doit fuir. Cette montagne doit se déplacer. La prière qui dissipe les ténèbres. Toutes ténèbres dans votre cerveau, toutes ténèbres dans votre vision. La prière que nous allons faire cette nuit va dissiper tous ces domaines de ténèbres au nom de Jésus-Christ. La prière qui brise le joug. La prière qui brise le joug. Et le joug est mis à votre cou. Le joug est mis sur votre famille, la malédiction, le joug. Le joug pesant, le fardeau pesant. Avant qu'on le prie, apprêtez-vous. Tout joug sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La prière qui change la destinée. La prière qui change la destinée. Pas de malchance à personne cette nuit. Pas de mal à personne cette nuit. J'entends une voix, oh monsieur, au nom de Jésus-Christ, sors de là. La prière qui change la destinée cette nuit. Ce soir, cela va vous arriver. Maintenant, êtes-vous prêt? Où êtes-vous? Je dis, où êtes-vous? Et vous êtes assis, je dis, où êtes-vous? En vérité, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, est-ce que la personne est là cette nuit? Si quelqu'un dit à cette montagne, vous pouvez parler à cette montagne, ô toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra, je le verrai. Moi, je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant maintenant, tout ce que vous demanderez, ce que vous désirez maintenant en priant, croyez que vous l'avez reçu.
et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ouvrez la bouche et que le ciel vous entende. Que le ciel vous entende. Que le ciel vous entende. Cette nuit, c'est votre nuit de rétablissement. Cette nuit, c'est la nuit de miracle. Cette nuit, c'est la nuit de puissance. Cette nuit, c'est la nuit de brisement de joug. Cette nuit, c'est la nuit de salut. Cette nuit, c'est la nuit de la force. Cette nuit, c'est la nuit des cieux ouverts. Cette nuit, cette nuit. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous êtes venu. Vous êtes venu. Recevez. Vous êtes venu. Soyez sauvés. Vous êtes venu. Soyez guéri. Vous êtes venu. Soyez délivré. La tumeur cérébrale quittera. Cette tumeur cérébrale quittera. Recevez cela. Vous êtes guéri. L'hémorroïde est partie. Recevez cela. Vous êtes guéri. Mouillez le lit la nuit. Recevez cela. Vous en êtes délivré. Le bruit dans vos oreilles. Tout cela est détruit. Vous êtes délivré. L'ombre là qui vous accompagne, l'ombre de l'ennemi, est chassé. Vous en êtes délivré. La douleur qui vous fait donne la douleur qui fait que vous avez marché sur, c'est quand vous avez marché sur un coup et la plaie la refuse d'être guérie. La plaie est séchée. Vous marchez, c'est comme quelqu'un vous a donné une flaque au dos. Depuis lors, vous avez ce problème terrible à la douleur là. La chose là est supprimée cette nuit. Vous en êtes carrément guéri, délivré. On a appelé ton nom. Et tu as répondu. Après la réponse, c'est comme votre vie s'est totalement désorientée. Vous en êtes affranchi cette nuit. Vous en êtes libéré cette nuit. Le Seigneur vous a affranchi. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas à son cœur, il le verra s'accomplir. Tu as piétiné quelque chose et quelque chose est rentré en toi par ce pied depuis lors là. Tu boites. Le Seigneur t'a franchi cette nuit. Tu es affranchi. Que la jambe plus courte là repousse, soit normal. Vous êtes guéri. Vous avez une vision floue. Dès que il s'ennuie, vous ne voyez pas bien. Mais ce problème-là, c'est effacé. La cécité partielle est ôtée. Maintenant, vous êtes affranchi. Vous avez recouvré votre vision. Affranchi. Guéri. Délivré. Le joug est brisé. La menace de l'ennemi est ôtée.
Leurs fardeaux sont ôtés de votre tête, de votre cou, affranchis. Vous êtes affranchis. La faveur du ciel se repose sur vous. La faveur du ciel vient sur vous. La réponse divine vient sur vous maintenant. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Votre miracle là-bas est sur vous. Votre délivrance est là. Vous êtes affranchi. L'affranchissement total, c'est là. La force pour le faible. La provision pour le pauvre. Le boulot pour le chômeur. La percée. La percée. Percée. Que personne ne parle encore dans le coin. Vous êtes affranchi. Élargis ton espace. Regardez en haut. L'horizon est la rétroaction. La guérison totale. Absolue. La grande délivrance. Reprenez votre vie cette nuit. Reprenez votre vie cette nuit. La tristesse est ôtée. La maladie d'opprobre, de confusion est ôtée. La malchance est ôtée. Les joues sont brisées. L'ennemi est vaincu. La pluie a commencé de tomber sur vous. La pluie surnaturelle. La pluie de bénédiction. La pluie de miracles. Une onde de délivrance sur vous.
He will answer everyone. Everyone tonight. Réveil pour tout le monde cette nuit. Quel que soit le défi, quel que soit le besoin, Dieu exauce toutes les prières cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Il faut dire, je crois. Le Seigneur m'a exaucé. Vous êtes guéri. Je suis guéri. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchi. Vous êtes élevé. Vous êtes promu. Vos ennemis sont vaincus. Vos prières sont exaucées. Où est ce quelqu'un là? Où est le quelqu'un là? Quelqu'un, quiconque. Cette nuit, la joie pour vous. Cette nuit, le témoignage pour vous. Cette nuit, des bénédictions abondantes pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta puissance. Nous te remercions pour ta fidélité. Je prie, Seigneur, que tout le monde ici, sans exception, reçoive son exaucement au nom de Jésus-Christ. Le salut pour toute âme. Le pardon pour toute âme, le renouvellement pour toute vie, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, le miracle pour tout le monde. Recevez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu brises toujours dans toute vie. Enlève les maladies de toute vie. Que ta vertu de guérison coule dans tout le corps de tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout du doigt, recevez la vertu de guérison de Christ. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchi. Vos joues sont brisées. La stérilité est supprimée. La maladie incurable est supprimée. Et toutes ces attaques et les choses mauvaises sont ôtées de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait la pluie de bénédiction pour tout le monde. La pluie de miracles pour tout le monde. La pluie de délivrance pour tout le monde. Seigneur, confirme-le dans toute vie. À ma gauche, qu'il y ait des miracles. Devant moi, des miracles. À ma droite, des miracles. Sur les étages d'un miracle. Seigneur, je prie que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Rentrez chez vous avec la joie. Rentrez chez vous avec les miracles. Rentrez à la maison avec la guérison totale. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. La joie dans votre âme maintenant. Le sourire, le rire dans votre bouche. Vous irez de victoire en victoire. Seigneur, confirme-le dans toute vie. Merci parce que je sais que tu es exaucé. Je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Ma prière est exaucée. Il faut le dire à celui qui est à côté de vous. Ma prière est exaucée. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue. Y a-t-il quelqu'un qui l'a reçu? Que cela soit permanent dans votre vie.